C'est trop beau si tout marchait bien, mais ouais, peut-être un excès de générosité, je sais pas, trop l'envie de bien faire, mais c'est sûr que ce serait bien de pouvoir le régler quand même assez vite. Voilà, on règle des points petit à petit, on en a réglé quelques-uns ce soir, mais c'est dommage de ne pas avoir pu régler celui-là, même si je pense que c'était quand même mieux que la semaine dernière. Et voilà, c'est surtout important ce soir d'avoir gagné, je pense. Je pense que les 37 joueurs sont déjà donnés à fond, à 100%. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de jouer malheureusement. Le premier match s'est très bien déroulé contre une équipe d'Écosse qui était un petit peu amoindrie, je pense, il faut le dire. On est tombé sur une grosse équipe à la file et on aurait dû gagner. Et là, ce soir, on arrive à remettre la marche en avant, on joue en équipe. Donc ça fait dommage gagner sur 3, on aurait forcément pu mieux faire parce que le match d'Écosse c'est à notre portée, mais voilà, il faut se satisfaire de ce qu'on a et aujourd'hui on a gagné. Donc, je pense qu'il y a une progression, mais il y a des matchs où je pense sur les 3 matchs on a réussi à s'appuyer quand même sur notre défense, au point positif. Et après on a réussi à s'améliorer sur pas mal de points. Là, ce soir on a réglé la sortie de camp qui était un peu hasardeuse et notre agressivité qui a été bien mieux gérée, même si on a fait quelques fautes. Voilà, on va essayer de régler la structure et les ballons qu'on perd un peu bêtement. Et voilà, on est à 100% au moins ceux qui sont sur le terrain. Ouais, du moins. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé là, j'étais peut-être un peu crevé, mais j'ai surtout vu qu'il y avait personne en face, donc ça ne servait à rien de se coller. C'est rare que je marque des essais, ça m'a fait bizarre. C'était bien jouer deuxième ligne? Oui, bah, comme je disais avant, c'était bien plus facile parce que j'avais un pack qui a avancé, une grosse défense, une touche qui a bien fonctionné avec les mecs qui ont été super bien réceptifs. Voilà. Et du coup, c'est un plaisir de jouer que deuxième ligne quand c'est comme ça. Je sais pas si je serais capable d'enchaîner des matchs parce que ça fait bizarre quand même, mais c'était un plaisir de rejouer. Déjà, jouer c'est déjà une bonne chose. C'est oui, je pense que le groupe est quand même né. Forcément, quand tu vis deux mois ensemble, même si au début tu as quelques appréhensions, tu as forcément des mecs avec qui tu peux pas t'entendre. C'est comme partout, comme dans tous les métiers. Tu apprends à te connaître un peu mieux, tu apprends à discuter avec les gens et tu te rends compte que voilà, on travaille tous dans le même sens. Donc forcément, des fois il y a des petites discordes, mais là ce soir j'ai vraiment senti qu'il y avait un groupe de 37 et c'est sûr que c'est malheureux, il y aura des déçus. C'est comme ça, c'est la loi du monde.